Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter la Gretel Box du mois de septembre. Donc je viens de la recevoir et on va l'ouvrir ensemble. Et je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je l'ouvre. Alors, voici l'intérieur. J'enlève le petit papier. Voilà l'intérieur. Alors, la Gretel Box. Donc, on choisit 5 produits de notre choix tous les mois ou aléatoirement, c'est-à-dire vous choisissez ce que vous... C'est eux qui vous envoient, voilà, les 5 produits au hasard. Donc moi, j'ai choisi mes 5 produits. Donc voilà, Gretel, Step Back to Work, septembre 2017. Donc là, on a un petit papier, voilà. Derrière, on a des petites séances de sport, voilà. Des petites séances de sport. Et devant, nous avons des petites choses écrites, voilà. Pas grand chose d'intéressant. Donc voilà, alors je commence. Donc tous les mois on a droit à un petit cadeau. Alors ça c'est Robot Chai Infusion Épicée. Donc c'est une infusion. Voilà. Une petite infusion. Voilà, faut laisser 5 minutes bouillir. Voilà. Donc je sais pas, ils disent pas grand chose. Je sais pas c'est à quoi. Le goût. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose là, dedans? Non. Non, ils disent pas grand chose sur ce petit produit. Non, ils disent pas. Bon, bah voilà. Une infusion épicée. Voilà pour le petit cadeau offert. Voilà, ils disent pas grand chose sur le produit. Quel est le goût? Donc, c'est pas grave. Donc, on va continuer. Alors, je vais vous présenter mes 5 produits que j'ai choisis. Alors. Donc le premier produit, ce sont chocolat au gingembre. Voilà. Voilà. Donc ce sont des petites boules de chocolat au gingembre. L'Uppercut anti-choc. Voilà. Et sur les petites sachets, on a toujours un petit personnage. Gingembre déshydraté cristallisé enrobé de chocolat noir. Avec moi, pas de baisse de régime. Je suis là pour stimuler tous vos sens. Gingembre plus chocolat. Vous n'en reviendrez pas. Soirée croustillante à la clé. Donc, c'est un 100 grammes. Voilà. Donc, les boules sont assez grosses. Je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà. Donc, ce sont des grosses boules de chocolat enrobées de gingembre. Donc, ici, vous avez la date de péremption. Donc, pour 20 grammes à consommer, c'est 89 calories. Voilà. Donc, tout est indiqué derrière. Voilà. Donc, petit chocolat au gingembre. Donc ça, c'est la première fois que j'ai goûté. Donc je vais voir si c'est bon. Voilà. Pour le premier produit. Ensuite, le deuxième produit. Alors, ce sont... Ah, ce sont... D'accord. Ils ont mis le derrière, mais pas le devant. Comme ici. Ils n'ont pas mis. Bon, c'est pas grave. Alors ça, ce sont des mix apéritifs romarin. Et miel. Voilà. Donc je vous ferai de plus près. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu tires ou tu pointes? Mélange de noix au romarin et au miel. Donc c'est à 100 grammes le paquet. Et pour 20 grammes, c'est 116 calories. C'est un peu plus calorique. Mais voilà. Donc ce sont des mix apéritifs romarin et miel. Voilà. Ce sont des noix au miel et romarin. Donc ça a l'air très bon, donc je goûterai. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà pour le deuxième produit. Ensuite, le troisième produit. Ce sont des granolas noix de coco et goji bio. Donc moi les goji, j'ai jamais goûté, c'est ça, c'est les petits trucs rouges. Donc voilà, là ce sont les granolas noix de coco. L'étincelle du quotidien. Gourmand, antioxydant, venu d'ailleurs. Sans huile de palme et agriculture biologique. Les autres sont pas marqués, mais celui-là, oui. Donc voilà, noix de coco. Donc celui-là, c'est un 130 grammes. Voilà. Parce que vous avez toutes les tailles, hein, en fonction du produit. Si c'est un peu plus... Voilà, si c'est un peu plus petit, vous avez un plus petit paquet. Si c'est des gros chocolats comme ça, bah, le paquet est encore plus petit. Donc voilà. Donc ça, c'est un 130 grammes.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mon croquant plein de fibres est ici associé aux bienfaits antioxydants de la coco et à la force des bêtes goji, l'occasion de faire voyager vos papilles. Donc 20 grammes, c'est 93 calories. Voilà, donc je goûterai, parce que les bêtes goji, j'ai jamais goûté. Donc je goûterai, voilà. Donc ça, c'est la noix de coco, donc il faut aimer. Donc ceux qui n'aiment pas la noix de coco, je pense pas que vous allez aimer. Donc voilà pour le troisième produit. Ensuite, le quatrième, ce sont des graines de courge au miel. Voilà. Donc voilà, c'est des graines de courge au miel. Pour butiner toute la journée. 100% doux, 100% énergie, 100% délicieux. Donc c'est un 100 grammes le paquet. Ils nous disent courge loin d'être courge. Je vous apporte une super dose en fer, magnésium, calcium et en vitamine A tout au long de votre journée. Donc 20 grammes, c'est 116 calories. Et le paquet fait 100 grammes. Voilà pour les graines de courge. Donc j'ai remarqué qu'ils avaient rempli un peu plus leur paquet. Donc là, ils les remplissent jusqu'en haut. Avant, ils ne les remplissaient pas entièrement. Là, je trouve qu'ils ont vraiment rempli jusqu'en haut. Voilà. Les granola aussi, c'est jusqu'en haut. Les chocolats, pas trop, mais après c'est difficile. Ils auraient pu en mettre un peu plus. Ils n'ont pas trop rempli. Et les mix apéritifs, ils les ont remplis jusqu'en haut. Donc ça, c'est bien. Parce qu'avant, ils ne remplissaient pas autant. Et ensuite, en dernier, ce sont des granolas pommes cannelle bio. Miss Cinnamon. Le viking qui a du bol. Sans huile de palme et agriculture biologique. 100% esqui, healthy et peps. Donc dedans, voilà, il y a des petites pommes séchées. Donc voilà, je vais vous faire voir. Hop là. Voilà, alors ils nous disent quoi? Mélange de céréales croustillantes et de pommes issues de l'agriculture biologique. Mes vitamines sont ici associées aux bienfaits antioxydants de la cannelle et à la gourmandise des pommes. De quoi transformer votre petit déjeuner et votre quotidien. Donc ça, c'est un 130 grammes paquet. Et 20 grammes, ça fait 80 calories. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les 5 produits que j'ai choisis. Voilà. Sinon, vous choisissez aléatoirement. Donc c'est eux qui vous mettent comme ils vous mettent ce qu'ils veulent. Les 5, ou soit c'est vous qui choisissez tous les mois. Et vous avez jusqu'au 31 minuit, je crois, pour choisir vos 5 produits. Parce qu'après, ils vous remettent. Si vous n'avez pas choisi avant le 31. Ils vous remettent ce que vous avez déjà pris le mois d'avant. Voilà. Pour ceux qui avaient déjà eu une box avant. Donc voilà. Donc bon, moi je suis très contente de Gretel. De toute façon, je vais forcément aimer parce que c'est ce que j'ai choisi. Après, peut-être que le goût va pas me plaire. Mais je sais que tout ce qui est granola, tout ça, les Kellogg's. En fait, quand ils ont moins de calories, ils sont moins sucrés. Ils ont moins de goût que ceux qui ont un peu plus de calories. Donc voilà. Donc on verra. Donc ça c'est granola. Noix de coco. Après j'ai dit graines de courge. Les petits chocolats au gingembre. Et le mix apéritif. Voilà. Donc voilà. Pour mes 5 produits. Et je vous ai dit le petit. Le petit infusion épicée. Voilà. Et la petite fiche, mais avant on avait un livre où ils mettaient vraiment tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant ils mettent une petite fiche avec quelques petits exercices de sport à faire. Et puis voilà. Et l'intérieur, je trouve assez joli parce que il y a plein de petits dessins. Voilà, avec leur compte Instagram, leur compte Facebook, leur compte Pinterest. Et voilà. Et il y a plein de petits dessins à l'intérieur. Donc voilà pour la Gretel Box. Donc voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la box. Merci et à une prochaine vidéo.